Eh bien, salut tout le monde, c'est Blun, on se retrouve pour du The Witcher 3, donc Wild Hunt, et nous sommes arrêtés là, voilà. Ah là, il y avait une quête, mais en fait, c'était pas une vraie quête, hein. C'était juste pour faire une petite partie de carte. J'ai fait vite fait, en fait, c'est un tuto qui vous explique blablabla, machin, en fait. Enfin, vous explique les cartes, parce que c'est vous qui faites votre deck et tout, en fait. Voilà, je l'ai pas montré en vidéo, je trouvais pas ça follement intéressant de perdre du temps là-dessus, on va dire. Bonjour messieurs. Bah, on me ferme pas la porte au nez, quoi. Alors, ici, vérifions tout de suite s'il n'y a pas de quête dans les parages. Eh ben non. Eh ben non, bah c'est parfait. On va s'en aller. Voilà, voyage rapide. Attendez, faut aller où en fait? J'ai pas fait gaffe. Allez où Vélène. Allons à Vélène. Ah, Vélène. C'est par ici, Vélène. À l'arbre du pendu. Carrément, bah, ça donne envie tout ça. Ah, bah, ça fait plaisir. Il va y avoir des petites quêtes à faire. On va bien s'amuser, les loulous, je pense. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Bien les loulous, c'est joyeux tout ça. Ya. Ya. Bon. Ya ya. Alors, la quête principale, je ne sais pas où elle dit d'aller où. Je ne sais pas. Ah là-bas. Bien nous on va ici. Voilà. Parce que nous on s'en fout de la quête principale. On va visiter un peu. Non, mais faut y aller. Regardez, oh, on a plein de trucs à faire, mais c'est génial! Bien, allons-y. Alors. On va garder notre trophée tout le temps sur le. Oh, mais non. C'est pas beau. C'est bien, hein. Ablett. C'est pas beau. Bon, on va voir ce qu'il y a. Comme chose. On prend tout. Voilà. Ah, c'est parfait. C'est parfait, les loulous. Eh bien, on va commencer à faire tout ça parce que du coup, on a les points d'interrogation qui sont déclenchés un peu partout. On va vérifier les quêtes. Ah oui. Oui, mais attendez. Eh ben oui, un niveau conseiller est indiqué. Nanana. Ben oui, non, mais pour l'instant, on n'a pas le niveau, les loulous. Je prends des quêtes, j'ai pas le niveau. Là, il n'y a pas. Ah. Il y a des cartes, carrément. Bon, eh bien, on ne peut pas. À l'arrière, on peut faire ça. D'ailleurs, je suis en bas, attendez, c'est niveau conseiller 5, mais j'ai tout clean dans l'autre map, je devrais être 5, là. Ah là 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 là. Eh bien, on ne peut pas faire celle-là, donc on va continuer à avancer, du coup. Je n'ai pas le level. C'est pas triste, tout ça. Moi qui voulais faire plein de quêtes. En plus, sous la pluie. Ah là là.
Mais je ne peux même pas. C'est pas honteux. Vous voyez pas que l'aumônier prie. Hein? Ah bah, l'aumônier, t'inquiète. Elle est niveau combien? J'ai l'impression d'être dans une zone plus haut level. Touche-toi. Bonjour. Que voulez-vous? Réjouissez-vous. Car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. Entendu. Je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris ? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je ? Près du pont qui mène à Novigrad. Ok. Alors, cette quête est niveau combien ? Parce que bon... Ah bah c'est bon ça, on peut faire les loulous. Largement même. Alors ça c'est pas de niveau parce qu'il faut gagner une carte unique, alors ça va être chiant. Je sens que limite si je vais pas faire ça en vidéo, je pense. On verra bien. Non. On va monter sur mon petit, ma petite. Eh bien, on va aller par là. Allez voir une électeur là-bas. Ah magnifique. Et le monde. Allez. Ah bon. Vous voulez la guerre? Très bien. Vous allez la voir la guerre. Oh merde! Les loulous! J'ai pas la bonne épée! Pas quoi? Ah bah non, j'ai la bonne épée! What the fuck? Alors pourquoi t'as pas pu faire? Ah les loulous! Ah il m'a explosé la gueule! Ah mais tu es sérieux là? Non, il y a des meubles qui explosent! C'est quoi ces conneries? Ah là, du jeu là, mon cheval il est pas mort hein. Non c'est pas le mien, tout va bien. Alors ici faut brûler tout ça, un coup d'igni et c'est bon. Oui bon t'es obligé de m'attaquer toi. Voilà, pas possible ces gens. Voilà, on crame tout. Bon, ah, du coup on va boire un peu d'eau. Ah bordel ce que j'ai pris. Dès le matin, vous voyez. Direct. Enfin, dès le matin. Dès le début quoi. Mon cheval. Passe pas dans le feu, hein, sois pas con. Viens là, ma belle. Hop. Bon, viens nous, du coup. On va à l'eau, je crois. Non, mais niveau 3, tu suis du niveau 7, à l'eau. Y'a rien qui vous chiotte dans mon jeu encore. Eh ben, attendez. Pourquoi il m'indique de revenir en arrière? Je ne sais pas. Bon. Et nous on va tout droit. Ah ce temps de merde. Moins vite. On va descendre là. Voilà. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. Lui ça. Voilà. Ce petit détail à régler. Voilà. On va cramer tout ça. Un coup d'igni et c'est bon. Bon.
Ah. Ouais, c'est bon. On peut aller au prochain. C'est bien, Hamlet. Oui, c'est bien. C'est bien, Hamlet. Ah, Sven. Ah bah, c'est bien moche, pareil. Mmh, non. Qu'est-ce qu'elle va rougir? Bah, je ne sais pas, mon petit, je ne sais pas. Il y a plein de gens pour nous, là. Mmh. On va y arriver. Ah mais c'est la tempête. Non, pas du tout. Je vais crever comme un chien. J'arrive mon petit. Merde. Celui-ci. Voilà. Mourez. Le petit cus. Putain, quand c'est pas le prêtre, c'est les bouffeurs de cadavres. Marre de cette ville de merde. Un prêtre? On convient d'un rencard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Mon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Et comment? On peut pas faire confiance à ces salauds-là. Trois fois il me commande du fistec de premier choix, tout roule impec. Mais la quatrième, ces gars se pointent avec des couteaux, pour nous piquer le marché, je parie. Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les goules allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer les preuves. Un sorceleur? Vous? Et maintenant? Maintenant rien, on ne m'a pas payé pour brûler les vivants. Alors? C'est donc vrai ce qu'on dit? Tout mutant que vous êtes, vous avez un code d'honneur. Merci, sorceleur. Eh ben de rien, mon petit. Eh ben on va brûler cette histoire-là. Voilà. Un coup d'igni et c'est bon. Allez, magouille! Allez, magouille dans ce pays. Voilà. T'es pas brûlé, mon petit cucus, hein? Non. T'es pas brûlé. Tout va bien. Ah. Il y a des trucs à ramasser. Ah bah là aussi, d'ailleurs. Voilà. Bon, mais pousse-toi, le cheval, là. Tu me gênes, même si t'es mort. On va prendre à se pousser, oui. J'arrive, ma petite tablette. Alors, retournez voir le prêtre. Ah là là. Non, c'est prêtre. C'est prêtre de nos jours. Tu sais ce que c'était. Ah dada. Au galop, tout ça. Ah, il est noir ce prêtre. C'est beau quand même ici, c'est beau. Ouais, c'est pas beau, mais c'est beau. Excuse-moi, Blake. En avant. Ah c'est par là. Ça me paraît quand même. Ouais mais bon. Est-ce que c'est mon niveau là? Parce que. Bah je vais essayer. Allez. On n'a pas peur. On y va. On doit sauver des gens en détresse. Oh, c'est pas mon niveau du tout. On se tire. Fais-moi tranquille.
Je prenne un bout de pain. Je bouffe du pain. Ah, une chute de poulet rose. Me doutez bien aussi. Non mais... Mon cheval, viens là. Tu vas pas me laisser là quand même. Oh. Bon, ok. Très bien. Parce que tu fais la gueule, je ne peux pas venir te chercher. Très bien. Nope. Prends pour qui celui-là? Oh, aussi d'ailleurs. Oh mais. C'est quoi ces gens? Alors. On va prendre le bouclier de protection. Voilà. Ça me paraît pas mal. Bon par contre, je peux savoir pourquoi mon Nada refuse de venir. Ok, parce que. C'est bon, Dada, je t'ai sauvé d'un chien maléfique. Qui voulait ta peau. Bon, eh bien, on va tracer, hein. On va... Hein. On va tracer les loups. C'est bien, Ablette. Bah oui, non, mais c'est bien, mais... T'as vu le bordel? Je passe comment, moi, là-dedans? On y va. Ah, bah voilà, je passe comme ça. C'est vrai, on s'en fout. Et si vous là, ce prêtre, il est chiant. Monsieur le prêtre, que faites-vous là? Alors, sorceleur, vous êtes-vous acquitté de votre tâche? Je me suis occupé des fosses communes. C'était captivant. L'un des cadavres était assez... vif. Et plutôt loquace. Comment ça? Un des revendeurs de Fistek a survécu. Son histoire était édifiante. Captivant, en effet. Je suis disposé à vous racheter cette histoire. En exclusivité et à jamais. Mon silence n'est pas à vendre. On peut louer mes services, mais certainement pas m'acheter. Nous voici dans l'impasse. Fort bien. Il sera moins cher de vous tuer. 3-1. On devrait s'en sortir, sorceleur ou pas. Tuez-le. Tu apprendras donc jamais. Un problème. Voilà. Non mais... Ah, ce prêtre... Oh, oh, les sous. Ah, mais j'ai bien fait. J'ai bien fait. Plein de sous. Voilà. Comme ça qu'on règle les problèmes, les loups. Et... ne vous faites pas acheter. Enfin, faites-vous acheter pour vos services, mais pas pour votre cœur, en fait. Bah, et si t'arrives... Mais, calme-toi, voyons, c'est rien. On a tué les méchants. Alors... Eh bien, de toute façon... Là, on a tout. Enfin, faudra aller là, voir ce qu'il y a, mais on ne sait pas c'est quel niveau. Eh bien, on va aller là. On va aller vers la principale. Mais calme-toi, c'est rien, quoi. C'est un prêtre, il est mort, c'est bon. Hein. C'était un connard. Allô, Ablette. C'est la merde. C'est de droite. Ah, attendez. Il y a une quête ici. Mais c'est vous qui décidez qui passe, Paradovid. Vous mettez rien dessus. C'est toujours négociable. C'est pour le vide. Je suis pas à la gorge sèche. Vous cherchez un laissez-passer? Vous trouverez pas moins cher ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laissez-passer? Les Rédaniens tiennent tous les guets sur le pontard. Personne ne peut traverser sans un laissez-passer. Et si ça vous intéresse, je peux vous en vendre à un bon prix. Quoi? À ce prix-là, je pourrais m'habiller comme Radovid et m'offrir un carrosse doré en prime. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas mon problème.
Je refuse. Hé, attendez. Si ça vous tente, j'ai un petit travail pour vous. Et en échange, je pourrais vous faire un rabais. Quel genre de travail ? Pas loin d'ici, au sud-est, le mari de ma sœur a monté une petite affaire. Lui et ses gars, comment dire, nettoient les champs de bataille. Le problème, c'est qu'ils tombent toujours sur des saloperies de monstres, des nécrophages. Si vous acceptez de les protéger, je vous ferai une belle ristourne. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Attendez. On va voir si je peux pas mettre de la persuasion. Cela, on a un point disponible à... Où pourrait être la persuasion? Je la mettrai là-dedans, moi, personnellement. Eh ben non. Alors où est la persuasion? Même pas là-dedans. Non. Alors, dans le bleu, peut-être les signes, mais je vois pas pourquoi. Comment un point persuasion là? Ça m'intéresserait. Alors là, ça m'embouche un coin. Un point la persuasion, mais je ne vois pas comment on peut le mettre vu qu'il n'y a rien. Je ne vois pas trop. Plus vite. Je ne te vois pas. Mais alors là, par contre, ça m'embouche un coin, ça. Je ne me vois pas. Là, ou pas. Niveau 9. Faut pas te faire chier, quoi, c'est tout. Voilà. Hey, toi là-bas. Merci. J'ai du boulot pour toi. Tu m'as tout l'air d'un sorceleur. Je me trompe? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des nécrophages dans le coin. On peut pas bosser tranquillement. Débarrasse-nous d'eux et on te donnera une part. Entendu. Eh bien. Je veux bien me débarrasser d'eux, hein. Pas de problème. Tu
besoin d'aide pour autre chose là? Ah bah là-bas, y a un meuble, non? C'est pas un meuble! J'arrive! Attends là, y a comme un problème! Il y a comme un problème quelque part. Mais. D'accord qu'il avait besoin de ce pouvoir. Il est pas mort ce con. C'est toi? C'est toi mon petit? Ouais, tu veux quoi? Non, je vais. Ah, qu'est-ce que t'es moche? Putain, gros mode. Ah, il va péter. Il y en a combien là, comme ça là? Putain, va falloir que je répare mon arme. Ah oui, mais je sais que je le répare, mais... Voilà! Pas que ça foutre, là! Je ne comprends pas ce... Bien, il est mort, le mec. Vous voulez qu'il fasse quoi, là? Je vais pas me battre non-stop. Ils sont tous morts. Ben ouais, mais bon. Alors, attendez. On va user un. Voilà. Ça. Attends. Ben je peux pas. Non, mais je veux pas retaper ça. Et lol. Ah, c'est seulement les armures. Ok. Bon, eh bien... eh bien, on est dans la merde. Il va pas être content, je crois, la monsieur. Vous bien cueillir des racines avec moi? Encore vous? Vous cherchez un laissez-passer? Je peux vous faire un prix d'ami. En fait, j'ai déjà rencontré votre beau-frère. Je me suis même occupé des monstres, mais lui, il est mort. Quoi? Vous vous foutez de moi? Putain, merde. Vous pouvez vous asseoir sur mon offre. J'appelle le baron Blanc parce que... C'était marrant. Du moment que le roi est mort, j'ai pas hâte de la finition. Je suis très dame, mes amis. Oh! Qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien, j'aimerais bien réparer mon arme, quand même. Je sais que je pourrais réparer ça.
couilles. C'est bon, je peux m'asseoir sur ton œuf. Je m'en bats les couilles de ton œuf, en fait. Non, on va aller là-bas. C'était histoire d'avoir un laissez-passer. Bon, on s'en fout. Pas tout. C'était marrant de voir ton beau-frère mourir. Moins vite. J'aurais peur de m'empoisonner. J'en ferais moins le fier dans les hommes du baron. Lucia! Bah alors, c'est par là, mais le radar, je sais pas si il est là. Ah mais il y a une tête par là. Qu'est-ce que tu fais là toi? Ah, mon arme est abîmée, j'aimerais bien la réparer quand même. C'est incroyable ça. Sortez, je ne vous ferai pas de mal. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé? Une semaine. Un de mes écureuils grillés. Et une poignée de pain. Tiens, n'oublie pas de partager avec les autres, hein? C'est pour nous, vraiment? Merci. Tenez, prenez ceci. Vous êtes gentils. Le diable est dans le vieux chêne s'assoit. Il brasse du cidre en criant de joie. Oh, j'ai gagné une poupée, les loulous. Puis au matin hurle, ma tête ne cesse de teinter. Je vous arrive de toi, j'en fais du marche. Bon. On m'a volé ma poupée. Comment ça, on t'a volé ta poupée? T'as pas volé, mais tu me l'as donné. Plus vite. Il faut vraiment que je trouve un mec qui me répare mes armes là. C'est quoi ce bordel là? Région de merde. Ah, un cochon. Mourir, tu m'entends? Si jamais ils l'entendent gémir, ils nous tueront pour sûr. Et ils l'auront de toute façon. Si c'est comme ça, j'aime mieux la tuer moi-même et cacher son corps sous le plancher. Au moins, ces salauds ne l'auront pas. D'accord. Allez-vous-en. Ce ne sont pas vos affaires. Partez, mais je suis si, très occupé. Ça vaut mieux pour vous. Non, mais vous parlez du cochon, là? Pas le cochon. C'est quoi ces conneries? Ah, mais non. Voilà, on rache le tout. C'est nickel. Ballon, il nous faut vraiment un PNJ pour réparer, ça m'arrange pas. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Je n'ai pas fini mon verre. Tavernier, la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier, qu'on dirait, avec deux épées.
Hé, hey, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir deux épées? Hé, hey, les gars, peut-être bien qu'il planque deux queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Je suis un voyageur qui aimerait boire son verre en paix. Vous entendez ça, les gars? Tenez-vous à carreau, monsieur est de la haute. Je sire vos bottes, monseigneur? Sans façon, non. Tes mains sont bien trop sales pour mes bottes. Je rêve. J'ai bien entendu, là? Hors de ma vue, ou je vous tue tous. Tu vas le regretter. Écrasez-moi ce cafard! Erreur fatale. Allez-moi! C'est quoi ça? Quand le baron apprendra ce qui s'est passé ici, il mettra ce village à feu et à sang. On n'aura même pas le temps de dire que c'est un mutant qui a fait le coup. Il fait pas dans le détail, ça non. Où est Hendrik? Vous êtes sourd ou quoi? Je vous dis que le baron ne laissera pas ce crime impuni. Calmez-vous. Votre baron n'est pas stupide. Je doute sérieusement qu'il croira que les paysans du coin ont massacré ses hommes à coups de fourche. Dites-moi où est Hendrik. Il habite à Bourlaland. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose? Sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, Tavernier. Sortez par derrière. Il y a encore des hommes du baron au village. Ne vous en faites pas pour moi. Hein, je fais pas ça pour vous. Vous m'avez déjà causé assez d'ennuis comme ça. Peut-être, mais je vais looter. Ah non, mais ça, on s'en fout. Pourquoi j'ai looté cette épée? Une chemise. Non, c'est jamais. Sortez par derrière. Eh non, j'ai pas envie de sortir par derrière, moi. Je suis bien par devant. Bien dit, les petits. On semble de rien du tout. Les lupettes, on va... Moi, je nettoie tout. Baron en mousse, bah... Viens m'affronter. Viens m'affronter si tu l'oses. Ah là là. Je sortirai par derrière alors que je peux sortir par devant. Hein? Oh mais... On va boire de l'eau. Bah... Wouhou. Voilà. Je peux boire mon eau? Merci. On y va. Ah chouette, après je vais boire du foie de l'eau. C'est génial. Bon, par contre... J'attends... Au galop, Ablette. J'attends toujours... de trouver un réparateur d'armes. Moins vite. Comment ça, moins vite? Enfin, moins vite. Oh. Il y a par là... Je vais arriver à chaque fois, il est devancé comme un bourrin. Ils sont jamais. L'air a quelque chose d'étrange.
comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. Oui. Filou. Bah non, des chiens enragés. Voilà. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini, perdu à jamais, gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. L'erreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine ? Non, il ne comptait pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Bon, eh bien, je ne crois que je vais toujours pas pouvoir réparer mes armes. Ça ne va pas du tout. Voilà, c'est l'arme démon, mais bon, quand même. Bon, sur la map, on est d'accord qu'il y a... J'ai pas de réparateur. Mais bon, on va faire avec un, tant pis, que voulez-vous. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé.
caché dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. Ah ? Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Oui, un peu de ménage, tout ça. Bon, eh bien, c'est parfait, on va descendre. Hop. Eh ben, on est... J'ai bien cru que j'arriverais jamais à descendre, quoi. Il y avait une échelle, bah, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Faut dire qu'on voyait pas grand-chose. Hein? Voilà, plus joli comme ça. Ah. Il y a là-dedans. Et objet de valeur à l'abandon. A-t-il perdu l'esprit? Ouais, c'est bizarre. J'ai perdu l'esprit, mon petit. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un registre. Paiement pour un sac de grain. Montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusé. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, où Fortin occupait illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Bon, eh bien nous les loulous, on va se laisser là, donc je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye!